Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une séance consacrée à la deuxième leçon des activités scientifiques. Le titre de la leçon, c'est l'appareil urinaire du manuel Mon éveil scientifique CM2 de la page 8 à la page 9. Maintenant, passons à la page 8 de la leçon. L'appareil urinaire, la page 8. J'observe, nous observons ici deux photos. L'une représente l'appareil urinaire de ces plusieurs organes. Et nous avons la position de l'appareil des reins qui sont au-dessous, tout juste au-dessous du dos. Les photos ci-contre représentent l'appareil urinaire et les douleurs rénales. Et maintenant, les douleurs, la position des douleurs des reins. Je m'interroge, quel est le rôle de l'appareil urinaire? Donc, c'est la première question. Je réponds à la première question. Quel est le rôle de l'appareil urinaire? Assurant la filtration. La filtration assurant la filtration du sang. Assurant la filtration du sang. Deuxièmement, elles permettent l'élimination des déchets, permettant aussi l'élimination des déchets. L'élimination des déchets, ça veut dire l'urine. Ça veut dire l'urine. Maintenant, quels sont les symptômes? Ça veut dire les symptômes de l'infection urinaire. Comment connaît-on que nous avons mal ou bien il y a une infection dans notre appareil urinaire? Premièrement, il y a douleur et brûlure. Il y a douleur plus brûlure, plus brûlure en urinant. C'est ces deux symptômes qui indiquent qu'il y a une infection urinaire. On peut ajouter, il y a odeur désagréable, plus odeur désagréable, désagréable, il y a une odeur désagréable que dégagent les urines. Et on a plusieurs, nous pouvons les voir dans la séance de l'activité numéro 2. Maintenant, passons à... Je propose une des solutions. Parmi ces solutions que nous proposons dans notre cahier d'investigation, c'est le rôle. Nous cherchons le rôle des organes de l'appareil urinaire, et ces organes, c'est le rein. Nous parlerons du rôle du rein, l'uretère, la vessie et l'urètre. Ces quatre organes, Nous le verrons après dans les activités numéro 2. Passons maintenant
Ah, la question, hein, je réalise mon activité numéro 1, les constitutions de l'appareil urinaire chez l'homme et chez la femme. Elles ont les mêmes appareils urinaires. Premièrement, nous commençons par le rein. On l'appelle le rein chez l'homme et chez la femme. Deuxième, ce tuyau-là s'appelle l'uretère. Ce tuyau d'où passe l'urine, on l'appelle l'uretère chez la femme et chez l'homme. Troisième organe, c'est la vessie. On se réunit l'urine, on l'appelle la vessie chez la femme, aussi chez l'homme. Et maintenant, ce passage-là, qui est numéro 4, s'appelle le sphincter. Le sphincter, on l'appelle le sphincter. On l'appelle le sphincter. C'est le lieu de passage de l'urine dans la vessie. Donc, maintenant, passons à la question numéro 5. C'est l'uretère. C'est la dernière étape du passage de l'urine. Et à la fin, nous avons l'orifice urinaire. Et à la fin, on l'appelle où sort l'urine. On l'appelle l'orifice urinaire. L'orifice urinaire. On l'appelle l'orifice urinaire. Bon, nous avons complété ce document. Les conditions de l'appareil urinaire chez l'homme et l'appareil urinaire chez la femme, ils ont les mêmes organes de l'appareil urinaire. Maintenant, passons à la question d'après le document numéro 1. Je nomme les organes de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme. Nous avons déjà vu, donc déjà indiqué, sont déjà indiqués ici, voilà, chez l'homme et chez la femme. Sphincter, muscle, c'est un muscle, donc sphincter, c'est un muscle, c'est un muscle. C'est un muscle. Et l'orifice urinaire, uretère, vessie urinaire. J'écris l'emplacement des reins dans mon corps. Où se situent les reins? Les reins sont en nombre de deux. Donc, les reins sont. Nous avons deux reins. Sont en nombre de deux. Ça veut dire que nous avons deux reins. Sont des organes du corps humain. Du corps humain appartenant au système urinaire. Appartenant au système appartenant au système urinaire. Appartenant au système urinaire. Maintenant, nous devons situer ces deux organes. Elles se situent, ça veut dire les reins, elles se situe dans le se situe sous les côtes. Sous les côtes. Je vais vous montrer où se situent les reins. Donc, elles se situent sous les côtes. Nous avons ici les côtes dorsales
Et voilà les reins. Et ceci sous les côtes. Ceci sous les côtes du part de l'autre. Du part de l'autre. Revenons à la réponse. Revenons à la réponse. Donc, et ceci sous les côtes de part et d'autre. Ça veut dire à gauche et à droite, de part et d'autre de la colonne vertébrale. De la colonne vertébrale. Je vais vous montrer la position des reins. Voilà la colonne vertébrale. Voilà la colonne vertébrale. Et voilà la position des reins qui sont à droite et la position des reins qui sont à gauche. Ils sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale. Maintenant, continuons la description de la colonne vertébrale. Dans le bas, le bas du dos, dans le bas du dos, au niveau des lombaires, au niveau des lombaires, au niveau des lombaires. Voilà, c'est l'emplacement des reins de notre corps. Maintenant, passons au rôle de chaque appareil urinaire. Le rôle de chaque appareil urinaire. Maintenant, rôle de chaque organe de l'appareil urinaire. Filtrage du sang. Transfert des déchets et collecte. Et collecte et élimination des déchets. Nous avons ici trois rôles et nous devons les indiquer dans le tableau suivant. Maintenant, ici, le sang sortant qui est riche en CO2 et nous avons ici le sang qui rentre qui est riche en O2. Il y a sang riche en CO2. Le sang riche en O2, l'oxygène. Maintenant, cherchons le rein. Voilà le rein. Donc, le rein, quel est son rôle? C'est la filtration. Cherchons ici la filtration du sang. Son rôle, c'est la filtration du sang. Le rôle, c'est de filtrer. C'est de filtrer le sang. Maintenant, l'uréthère. Cherchons l'uréthère. L'uréthère, voilà, c'est ce forme de tuyau ici que vous voyez ici. L'uréthère, son rôle, qui conduit et conduit l'urine formée vers la vessie. Son rôle, c'est de conduire. Elle conduit l'urine formée, l'urine formée vers la vessie que vous voyez ici, vers la vessie. Et la vessie que vous voyez, voilà, c'est la vessie. C'est un réservoir, c'est un réservoir d'urine. C'est un réservoir d'urine. C'est un réservoir. C'est un réservoir d'urine. Non, c'est un réservoir d'urine. Maintenant, l'urethère. L'urethère, c'est l'orifice qui permet de rejeter l'urine hors du corps. C'est un organe qui permet de rejeter, qui permet le rejet, qui permet le rejet. De l'urine, l'urine hors, qui permet le rejet de l'urine hors du corps, hors
du corps. Voilà, nous avons parlé de ces quatre organes de l'appareil urinaire et leur rôle. Et leur rôle. À part ce document numéro 2 que vous voyez ici. Je remplis le tableau dans le document 3. Et d'après le document 2, nous avons rempli, qui nous a aidé à remplir le tableau numéro 3, document numéro 3. Maintenant, les symptômes. Les symptômes des infections urinaires. Les symptômes des infections urinaires. Les symptômes des infections des voies urinaires. Des douleurs ou des brûlures en urinant. Premier symptôme. Une fréquence anormalement élevée du micton durant le rejet. Parfois, le besoin d'uriner survient aussi la nuit. Et survient la nuit. À chaque fois qu'il y a une succession de besoins d'uriner pendant la nuit, donc il y a, d'après les symptômes, il y a une infection des voies urinaires. Un sentiment persistant d'avoir besoin d'uriner. Des urines troubles qui dégagent une odeur désagréable. Il y a une odeur désagréable lorsque les urines sont dégagées. Et une pesanteur dans le bas-ventre. Dans le bas-ventre, il y a une pesanteur. Ça veut dire que nous sentons mal dans le bas-ventre. Parfois, du sang dans l'urine. Ça, c'est très dangereux ici. Parfois, du sang dans l'urine, c'est une infection excessive. Maintenant, passons à je retiens. Donc, on retient le cancer de l'appareil urinaire. Donc, première indication, les cancers de l'appareil urinaire sont les reins, les uretères, la vessie, le conduit urinaire, ça veut dire l'urètre, l'urètre. Maintenant, les principales fonctions, le rôle de l'appareil urinaire. Les reins assurent la filtration du sang et l'élimination du déchet. Maintenant, le rôle des uretères. Le rôle des uretères, c'est le passage de l'urine des reins à la vessie. La vessie, c'est un réservoir. C'est un réservoir. C'est un réservoir d'urine. C'est un réservoir d'urine. Maintenant, et l'urètre. L'urètre, c'est le passage où passe la vessie à l'extérieur du corps. Maintenant, les infections de l'appareil urinaire. Il y a quoi? Il y a une maladie liée à des microbes, généralement bactéries. Maintenant, passons à j'applique mes connaissances. Je relie par une flèche chaque organe à son rôle. Voilà le rein. Le rein, il assure la filtration et l'évacuation via l'urine des déchets du corps. Donc son rôle est la filtration du sang. Maintenant, la vessie. La vessie où s'accumule. Donc la vessie, c'est l'orifice, le réservoir où s'accumule l'urine libérée. Donc passons à B. Et l'urètre, c'est un tuyau qui relie les reins à la vessie, qui relie le rein à la vessie. Donc de cette question, j'applique mes connaissances quand nous avons terminé avec la deuxième leçon de l'appareil urinaire. Bon courage et à la prochaine séance.